C'est probablement le témoignage qu'il redoutait le plus, celui de Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une relation sexuelle en 2006, une relation qui est à l'origine de la poursuite au criminel. Ça vient de la Maison-Blanche, dit-il. C'est tout Joe Biden. C'est une attaque sur son opposant politique. C'est injuste. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont rien. J'ai hâte d'être face à lui, disait-elle il y a un mois, et dire ma vérité. Et c'est ce qu'elle a fait. L'ancienne actrice de film X déballe en détail sa rencontre avec Donald Trump dans une suite d'hôtels à Lake Tahoe, Nevada, lors d'un tournoi de golf en juillet 2006. Elle a 27 ans, il en a 60. Il lui aurait promis une apparition dans sa célèbre émission de télé-réalité The Apprentice. Au lieu de cela, l'ancien président l'aurait attendu dans sa suite, vêtu d'un pyjama en soie ou en satin. Il lui aurait confié qu'il faisait chambre à part avec Mélania. Elle confirme à la poursuite « J'ai fini par avoir une relation sexuelle avec lui, mais j'ai eu un blackout », tout en précisant qu'ils auraient effectué la position du missionnaire, qu'il ne portait pas de condom et qu'elle avait gardé son soutien-gorge. Des détails qui auraient agacé le juge. Donald Trump aurait souvent fermé les yeux durant le témoignage. Stormy Daniels témoigne également avoir reçu en 2011 des menaces dans un stationnement alors qu'elle était avec sa fille et qu'il fallait qu'elle laisse Donald Trump tranquille. La défense s'est objectée à maintes reprises, considérant le témoignage préjudiciable et réclame l'annulation du procès. Car le cœur de la poursuite porte sur le 130 000 dollars qu'elle aurait reçu pour taire cette relation. Juste avant la victoire de Donald Trump en 2016. Selon la poursuite, son montant enregistré comme frais juridiques était en fait un frais pour influer le résultat électoral. Donald Trump a toujours nié cette relation sexuelle avec celle qu'il a rebaptisée « horse face », face de cheval. En 2018, elle perd son procès en diffamation et doit verser 300 000 dollars à Donald Trump. Lors du contre-interrogatoire, elle confirme qu'elle a écrit sur Twitter qu'elle préférait aller en prison que payer celui que elle a surnommé à son tour « la crotte orange ». Bref, ça vole bas, elle avoue détester l'ancien président et serait heureuse de le voir en prison. Un témoin important que la défense espère discréditer. C'est un grand jour révélateur, dit Donald Trump à la sortie, avec un air victorieux. Leur cause est en train de tomber en morceaux, ajoute-t-il. Le contre-interrogatoire se poursuit jeudi.